Parce qu'elle, elle a une formation de réalisatrice, donc elle aimerait bien faire un vrai truc. Mais on l'a toujours pas fait. Mais tiens, c'est bien, ça va relancer la question, là. Je pense qu'on va s'organiser ça tantôt. Je vous enverrai un lien. Non, As-tu déjà fait une sextape? Une sextape, ça veut dire que tu te filmes en train d'avoir des relations sexuelles? Quelque chose que tu enregistres soit solo, soit avec ton partenaire. Si jamais je fais une vidéo et que je l'envoie à quelqu'un. Mais c'est une sextape justement. Je pense que je veux pas répondre. Légère. C'est quoi une sextape légère? Non mais c'est genre petit truc caché dans son téléphone, juste pour le... C'est pas en mode D. Non mais ça m'étonne. Comment ça j'ai jamais fait ça? J'ai juste eu pas encore trop l'occasion. J'ai jamais eu l'occasion qui s'est présentée. Ça m'est jamais venu naturellement à l'idée et jamais personne ne me l'a proposé. J'ai jamais été invité. Négatif. Non. 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 Absolument pas. Non. 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 Sauf si je suis pas au courant. Consenti en tout cas, non. 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 Parce que je suis vierge. Non, pas vraiment. Non. 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 Bah non. Non, 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 non. 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 Ah non. Jamais. 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 Non. Non, pas de sextape à mon actif. Ça va bien ? Ouais. Ça a pu me traverser la tête ? Ça m'a déjà traversé l'esprit. J'en ai parlé avec quelqu'un une fois. Mais elle était pas chaude pour l'idée. Ce n'est jamais arrivé. Je me suis jamais sentie en sécurité avec la personne. Comme j'avais pas du tout confiance en mon partenaire. Il y a eu des fois où j'avais envie de le faire, mais en fait j'ai trop peur. Porn vengeance là. Est-ce que ça m'intéresserait de faire une sextape? C'est pas quelque chose vers quoi j'irais spontanément. Ça me branche pas. Pas tenté. Pour le moment, c'est pas du tout envisagé. J'ai pas forcément envie d'en faire. Ça me branche pas du tout. Ça m'intéresse absolument pas pour l'instant. Et je ne compte pas en faire de sitôt. Je pense pas que ça m'intéresserait. Je ne voudrais pas le faire, je pense. Et ça me ferait peur. Je serais trop flippé que ça circule. Que ça s'ébruite ou que ça se diffuse. J'aurais trop peur que ça retrouve sur internet. Mais hantise, horrible. Je vois pas l'intérêt en fait. Je trouve ça malsain et tout, j'aime pas du tout. Le sexe est trop intime pour que ça puisse être filmé. Il y a une question de pudeur que j'ai envie de garder. C'est un moment à deux. Ça fait un peu tuer limite de se voir. Je serais pas forcément très photogénique. Puis je trouve que c'est vachement narcissique. Se voir pendant, mettons, dans un miroir pendant l'acte, il y a quelque chose d'assez kiffant, j'avoue. Et du coup, après, t'es excité, mais tu sais pas si t'es excité sur la meuf ou sur ta propre image. Mais de là à revoir le truc après, ou... Pff, non. Ça doit être particulièrement chiant à regarder. Après, ça se fait. Si on me le propose... Si on me propose, peut-être. J'y réfléchirai, ouais. Mais après, ça, c'est trop bizarre, parce que il suffit que vous soyez plus en couple. Pourquoi pas essayer. Dans tous les cas, si j'en fais une, ce serait clairement pour la sphère privée. Mais faudrait vraiment qu'on voit pas mon visage. Si j'avais la possibilité de passer inaperçu et de pas être reconnu, ouais. T'imagines, un jour, t'as un petit cousin, un truc comme ça, un frère, une grande sœur qui tombe là-dessus, t'es en mode... À la limite, ça serait plus avec mon téléphone si ça devait se faire, mais non. Donc ce serait pour moi, juste du privé, et pas à mettre en public et tout. Et puis de le garder comme ça, comme un petit trésor. Peut-être que ça sera. Peut-être un jour, qui sait. Mais un jour que ça m'intéressera. Je dis pas que j'en ferai jamais, mais... Et j'avoue, c'est pas dans les plans. Enfin, en vrai, pourquoi pas, mais je pense que j'aurais pas forcément envie de la revoir après derrière. Ça se discute, mais non, pour l'instant, pas. Peut-être qu'un jour, on sait jamais, hein. C'est... Peut-être pas tout de suite, mais je pense dans la vie, ça se fait, hein. Un jour, peut-être. On verra pas. Non, mieux que ça, j'ai failli tourner dans un porno amateur. Et qu'est-ce qui t'a arrêté du coup? La distance. C'est une vraie question que je pose. Qui fait des sextapes? Ok, la question piège. Une seule? Moi, vous êtes rigolo. Jamais, jamais, jamais. Non. Si. Oh, oui. Ah, oui, oui. Oui? Oui. Ouais, ouais, ouais. 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 Oui. J'ai fait deux sextapes. Jamais dévoilé, mais ouais, j'en ai fait. Plusieurs fois. Et j'en ai déjà fait, ouais. J'en ai déjà fait pas mal. C'est mon métier de faire des sextapes. Je me suis déjà filmé parce que j'avais un compte OnlyFans avant, mais sinon jamais avec quelqu'un. Dire que oui, mais pas genre un court métrage, tu vois, c'était pour éventuellement la regarder après parce qu'on allait être séparés. En fait, on était deux et petit bonus, on était trois aussi. Ouais, on était plusieurs. Prendre ça comme une expérience et puis la regarder seulement si t'es motivé. C'est ouais pour nous. C'est pas genre, tu sais, truc de ouf, genre c'est plus tu tiens ton téléphone dans ta main ou tu le poses. À l'arrache, mais quand même un peu maîtrisé. Tu poses le téléphone et tu fais ce que t'as à faire. Ou on re-regarde et on dit, En vrai de vrai. J'ai pas trouvé ça incroyable. C'était nul. Après, ce qu'on se dit, mais putain, qu'est-ce que je viens de faire? C'est pas mon meilleur profil. C'est vraiment, on a posé la caméra, mais trop loin. Peut-être que sous cet angle. Ça n'a aucun sens, y a un plan, quoi. C'est juste chiant. Mais faut tester. Je l'ai fait souvent avec mes nanas parce que c'est un moment partagé, j'aime bien.
Moi, c'est un truc qui me fait kiffer, en fait. C'est un truc que je trouve assez marrant à faire. Justement, parce que je suis sentimental, j'ai du mal à les revoir. Et c'est pas des choses que j'ai conservées, c'était plutôt lié à un moment... Un moment M d'une relation. Bien sûr, ça, je garde pour moi. Si je plaque la personne, je supprime. En fait, tu regardes jamais la vidéo. C'était beaucoup plus jeune, et du coup, je pensais pas du tout à mes actes. En fait, j'en ai fait une avec mon ex, avec qui je suis restée super longtemps, où on voyait les visages. Je le conseillerais pas trop, parce qu'on sait jamais où ça peut atterrir. S'il faut que je cache sa tête, parce qu'elle, elle a envie de se protéger. Voilà. Maintenant, j'avoue que je serais beaucoup plus réticente à le faire. Je pense que j'en ferais pas même. Bon, j'ai pas eu de problème, mais bon, on sait jamais quand même. Enfin, c'était des vidéos, mais que je n'ai pas publiées, qui sont conservées dans un lieu sûr. Enfin, ça n'a pas été publié autre chose. C'est dans un cadre hyper intime, hyper privé. Après, bien sûr, je lui demande si elle est d'accord. Tu vois, je lui dis pas, bah tiens, je sors mon téléphone et bah non. Il est arrivé par le passé qu'un coup d'un soir essaye de me filmer. Je lui ai carrément arraché des mains, et il a traversé la chambre et le téléphone n'était pas cassé, mais il a failli. Est-ce que j'ai des films préférés? Est-ce que j'ai du sexe?